Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis médecin cancérologue, ce qui ne m'a pas empêché, il y a quelques années, d'avoir un cancer, un lymphome, particulièrement agressif, ce qui fait que j'ai été obligé de m'arrêter pendant une longue période, pendant 13 mois exactement. Il y a eu les problèmes liés à la maladie, problèmes de douleur, les problèmes liés au traitement qui a été quand même extrêmement lourd. Pendant plusieurs mois, la question du travail ne s'est pas posée puisque la question qui se posait c'était celle de la survie. Et puis finalement les traitements ont fonctionné, ont été efficaces et donc est venue la question de reprendre le travail. Arrêter 13 mois pour moi c'était extrêmement long parce que j'aime mon travail et j'avais envie de reprendre. Maintenant, les questions qui se posaient, c'était est-ce que techniquement je vais pouvoir reprendre les connaissances évoluent vite? Est-ce que je pourrais être rapidement au niveau? Est-ce que je serai capable, moi sortant juste de la maladie? Est-ce qu'il n'y aura pas entre eux et moi ce vécu qui deviendrait trop pressant et finalement qui gênerait la relation médecin-malade? Mais finalement, après une matinée de travail, j'avais les réponses. Oui, je pouvais reprendre physiquement, oui, je pouvais reprendre techniquement. Quand j'étais malade, il y a un élément auquel je n'avais pas du tout pensé, c'était celui de l'environnement professionnel. Et je vais employer un mot, c'est celui de bienveillance. Quand je suis revenu, j'ai senti la bienveillance de mes collègues. On te considère comme tu étais avant. Mais ça aussi, c'est satisfaisant de se dire, ben, je reviens et finalement, la vie reprend comme avant. Et cette bienveillance, je crois que c'est un élément mais primordial pour pouvoir revenir et pour pouvoir reprendre sa place.